Fais attention, Michel. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Michel, allô ? Ouais, attends, maman, je te branche ailleurs. C'est bon. Merci. Oh Michel, tu peux pas faire attention. Ah mais je savais pas. Bah écoute, quand on branche une prise, il faut savoir où est le fil. Ouais papa. Oh bah c'est rien ça, bon. T'en fais pas, dans 2 minutes tu pourras faire ta vaisselle. Pas la peine d'appeler le dépanneur. Oui mais fais attention Patrick. Oh ça va, il y a juste un fil à revisser. En touchant le fil, Patrick ferme le circuit avec son corps. Le courant traverse sa peau, suit ses nerfs, contracte les muscles, tous les muscles qu'il rencontre, jusqu'aux poumons et au cœur, pour provoquer l'asphyxie et l'arrêt cardiaque. Patrick est mort. C'est du moins ce qu'imaginait son père. Patrick, t'as coupé le courant ? Mais pas la peine, papa, j'en ai pour une seconde. Ouais, mais moi je l'ai fait, t'aurais pu t'électrocuter. C'est bon, ça devrait marcher. Rebranche, papa ! Ça y est, maman. Patrick et Michel veulent devenir électriciens. Ils vont entrer dans une formation professionnelle. Ils aiment bricoler, rendre service, réparer tout ce qu'ils trouvent. Oh, des amateurs. Ils vont enfin apprendre à ne pas plaisanter avec l'électricité qui tue chaque année en France plus de 150 personnes et à travailler dans un milieu professionnel en respectant la réglementation. Ils vont apprendre à maîtriser le risque électrique pour eux et pour les autres. Chez eux, Michel et Patrick aiment bien bricoler, mais ils le font sans prendre de précautions. Oh Michel, tu peux pas faire attention ! Ils désirent devenir électriciens et vont apprendre à tenir compte des textes réglementaires qui ont pour but de prévenir les accidents liés à cette énergie invisible qu'est l'électricité. Quelques mois plus tard, ils ont commencé à acquérir les premières notions qui les rapprocheront du monde professionnel. Non, là il y a quelque chose qui va pas. Tu vois ? Oui, ça passe. Ouais. Regardez, nous sommes dans une entreprise. Cette machine est sous tension. L'électricien qui doit effectuer un certain nombre de mesures porte les équipements de sécurité individuels. Chaussures de sécurité, lunettes, gants. Il se sert d'outils isolés. Rien qu'à voir ses gestes et son équipement, on peut deviner que ce professionnel intervient en présence de tension. Dans une situation de formation, les gestes et les équipements de sécurité sont identiques. Ok, vas-y. Oh, je suis pas encore un professionnel. Avec tout ça, j'y ressemble. Papa serait content. Eh ben voilà. Là, tu as des gestes de vrai professionnel. Eh. Oui, mais toi, c'est pas encore ça, hein ? Non, mais c'est normal. C'est parce que ton montage est purement didactique encore, hein ? Mmh. Allez. Alors là, j'arroserai papa. Là, je l'arroserai pas. Je l'arrose. Je l'arrose pas. Alors, l'énergie est coupée. Ce qui est autorisé hors tension est très différent, bien entendu, de ce qui est autorisé sous tension. Voilà, regardez. Quand une installation est hors tension, on peut accéder aux parties actives sans protection individuelle.
Et là, si on mettait le courant, aïe, brûlure, muscles contractés, poumons paralysés, paf, cœur arrêté. Monsieur, j'ai fini là. On peut essayer ? Attends, je vérifie. C'est à moi de remettre sous tension, puis ça ne se remet pas comme ça, fais voir. Voilà. Comment vous voyez ça là ? Bon, c'est une question d'habitude, à toi aussi tu sauras. La mise hors tension et la mise sous tension se font toujours selon des règles bien précises et strictement appliquées sur autorisation. Et si je connais, si je respecte ces règles, ça peut me sauver la vie. Ah bah oui, la tienne et celle de tes voisins. C'est ce qu'on appelle la consignation et la déconsignation. Le prochain épisode vous en apprendra les règles. Si on travaille sur une partie active, il faut bien entendu qu'elle soit hors tension. Et il faut être sûr que personne ne puisse la remettre sous tension pendant les travaux. Sinon, c'est l'accident. Pour cela, des règles et des prescriptions de sécurité très strictes ont été établies, en particulier les procédures de consignation et de déconsignation. Alors une consignation, c'est quoi ? Bah c'est simple, une consignation, c'est quand on coupe le courant au sectionneur. Au sectionneur. Ah oui, mais on est sûr de rien. Quoi, je sais pas, quelqu'un peut venir, il voit pas qu'on travaille sur la machine qui est hors tension. Surtout si elle est éloignée du dispositif de coupure. Et puis rien n'empêche de remettre le courant, quoi. Là, ça craint un peu. Ah ben, y a qu'à verrouiller tout ça. Comment ? Ouais, avec un cadenas ou quelque chose. Avec un cadenas. Tiens, ça tombe bien. T'es là. Bah ouais, mais si quelqu'un a la clé, il peut se croire autorisé à enlever le cadenas. Ah. Bah alors, il n'y a qu'à l'avertir que la machine est consignée et puis que quelqu'un travaille dessus. Mais comment ? Bah, je sais pas, moi. Un écriteau. Un écriteau. Vous avez de la chance. Voilà. Cette fois, la remise sous tension devient très difficile. Il y a deux interdictions à braver. Administrative, le panneau, et physique, le cadenas. Mais nous ne sommes pas encore en sécurité. Pourquoi ? Bah ouais, pourquoi ? Vous êtes bien sûr d'avoir coupé le courant ? Bah oui, regardez, là, c'est coupé. Mm-hmm. Et si vous n'aviez pas coupé le bon circuit ? Bah... Oui, ici c'est simple parce que vous êtes dans une situation pédagogique, mais dans une entreprise, c'est plus complexe, hein. Regardez. En effet, si on ne peut pas suivre visuellement le circuit qui devrait être coupé, tous les risques sont encore possibles. La consignation n'est pas encore complète. Il vous faut donc un plan du circuit électrique, voilà. Ouais, et identifier le circuit. Oui. Et après, c'est peut-être bien de vérifier qu'on a identifié le bon circuit. Exactement. C'est ce qu'on appelle la VAT, la vérification d'absence de tension. Avec ceci. Ici. OK. Ah, mais attendez, pas si vite. Hein. Il faut d'abord vérifier le vérificateur. Ah, ouais, pas si vite. Ah, oui. Bon, on appuie sur le bouton, là. C'est bon, il n'y a rien. Oui, c'est bon, sauf que qui vous dit que votre appareil n'est pas tombé en panne après votre vérification ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le vérifier. Encore une fois. Et voilà. Au travail. La consignation est cette fois réalisée. Les quatre étapes de la consignation ont été respectées. Coupure de tous les conducteurs actifs à l'aide du sectionneur, c'est la séparation. Verrouillage avec cadenas, signalisation de l'appareil consigné, c'est la condamnation. Identification du circuit isolé. Vérification de l'absence de tension. Enfin, dans certains cas et selon le niveau de tension, il existe une cinquième étape, la mise à la terre et la mise en court-circuit. Maintenant à vous. Vous allez me consigner cette installation. Alors, toi Patrick, tu seras le technicien qui va intervenir dessus. Mmh. Et c'est toi, Michel, qui va consigner l'installation. Voilà. Ça, c'est la clé de l'armoire. Alors, on coupe le circuit et on y va. Voilà.
Alors, je coupe lequel ? Atelier sous-système. Voilà. Je mets le cadenas. Ensuite, la pancarte. La pancarte. Comment je peux mettre ça ? Et voilà. Voilà. Et après ? J'ouvre l'armoire ? C'est déjà fait. Ah, j'ouvre le plan pour. Oui, je préfère. Si j'ai coupé le bon circuit. Mais là on veut plus ça va. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait la VAT pour vérifier. Exactement, et au plus près du lieu d'intervention. D'accord? Ok. Bien. Un peu mieux, on le range un peu mieux. Merci, on y va. Bon, je peux ouvrir. Ah oui. Merci Patrick. Et pourquoi les gants alors ? Ici encore du courant. Si tu as mal fait la consignation. Ah mais c'est bien fait. On va voir. Merci. C'est bon. Écoute, on peut y aller ? Ouais, ouais, ouais. On reteste pas l'appareil. Merci. Un petit peu, hein ? Ça y est, c'est bon, je peux travailler. Tu peux y aller. L'installation est consignée, avec la procédure malgré tout parfaitement respectée, mais pas sans avoir rempli l'attestation de consignation que voici. D'accord ? Voilà. Si on a bien respecté les procédures et rempli la fiche indispensable de consignation, une telle opération se déroule sans risque dans l'industrie. Le rôle de chacun doit être clair, ce qui justifie une habilitation très strictement contrôlée. Il y a des niveaux d'habilitation différents selon le type d'opération. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode. Michel et Patrick se sont livrés à une sorte de jeu de rôle. L'un jouait l'intervenant, l'autre le responsable de la consignation. Ils n'avaient donc pas simulé le même niveau d'habilitation, bien qu'ayant le même niveau de connaissance en électricité. Quels sont donc ces différents niveaux d'habilitation ? C'est ce que va montrer cet épisode. Au lycée, nous sommes dans un environnement d'apprentissage. Vous devez effectuer toutes les manœuvres nécessaires. Bien sûr, moi je suis là pour contrôler et puis pour vous préparer à l'habilitation. Mais dans une entreprise, vous en doutez, les choses sont un peu plus complexes. Et c'est ce que nous allons voir. Ce maçon n'effectue aucune opération électrique. Il pose des dalles en béton dans un local électrique. Pourtant, comme il travaille dans un espace réservé aux électriciens, il est habilité B0. Ah ouais, mais si c'est un ingénieur qui rentre dans le local ? Bah c'est pareil, il est B0 comme le maçon ? Bien sûr, le niveau d'habilitation ne dépend pas du tout du niveau hiérarchique ni même des études. Il dépend simplement de la connaissance des risques électriques et puis bien sûr du rôle attribué à l'intérieur de l'entreprise. Voici un électricien. Il vient installer une prise de courant dans un local électrique. Cet électricien a été habilité à travailler sur des parties actives mises hors tension. Il est habilité B1.
Mais l'installation, là, elle a bien dû être consignée. On l'a pas vu faire. Bah, c'est peut-être un autre qui l'a fait. Bah oui, mais qui ? Mais si on comprend pas bien, là. Bien. Un technicien habilité B1 peut travailler sur une installation. Mais il ne peut pas prendre la responsabilité de consigner cette installation. Ni même d'ailleurs de faire la demande de cette consignation. C'est un chargé de travaux habilité B2 qui doit faire la demande de cette consignation et c'est un technicien spécialement chargé des consignations qui doit l'effectuer. Est-ce que tu pourrais me consigner le départ TD04 ? Ce technicien doit organiser le chantier. Il sait qu'il va falloir agir dans le local électrique, il a donc prévu de consigner un circuit d'alimentation du local. Il demande la consignation de l'équipement au chef d'exploitation de l'entreprise. Une demande écrite avec les dates, le nom des intervenants, la nature du travail et sa durée. C'est le chargé de travaux, il se rend sur les lieux, il est habilité, B2. Ce technicien est le chargé de consignation et de déconsignation. Il est sous les ordres du chargé d'exploitation, mais il rend compte au B2 de sa consignation et de sa déconsignation. Il est habilité BC. Oh là là, c'est une galère pour couper rien qu'un sectionneur. Ah, mais vaut mieux faire ça qu'un enterrement. L'autre jour, en réparant le lave-vaisselle, je faillis prendre le jus. J'avais rien coupé. Heureusement que mon père l'avait fait. Mais si l'intervention, c'est juste un petit travail qu'on peut faire tout seul, il faut quand même tout ce monde-là ? Oui, c'est vrai qu'ici, la procédure est complexe parce qu'on perturbe une armoire existante qui conditionne la production d'une partie de l'entreprise. Cet électricien va effectuer une intervention ponctuelle. Monsieur, vous voyez, il ne gêne pas, lui. Cette intervention ne demande qu'un seul technicien. C'est un chargé d'intervention et il effectue une consignation pour lui seul. C'est un technicien habilité BR. Moi, je sais pas, un peintre qui doit faire un petit raccord de rien du tout. Il doit être habilité lui aussi ? C'est ce que nous allons voir. Si l'intervenant n'a aucune habilitation, ce peintre, par exemple, il doit être accompagné d'un surveillant électrique pour pouvoir entrer dans le local sous tension réservé aux électriciens qui peut comporter des parties actives accessibles. Mais monsieur, pourquoi il l'arrête là ? Mais parce qu'il est trop près des parties actives. Il faudrait un peintre habilité. Et en plus, habilité V. V comme voisinage. Ben voilà, lui, il est B0. Bah oui, puisqu'il est tout seul dans le local. Ah. Oui, mais attention, B0, V. Ce peintre peut travailler à moins de 30 cm des parties actives d'une installation électrique restée sous tension. Il est habilité B0, V. Et lui, là, c'est un électricien, il s'est posé des lignes. Donc lui, il est habilité B1. Ouais, et comme le courant passe toujours dans l'armoire, il est même B1V. Très bien. Fais attention, hein, sur les bornes, il y a le jus, là. Donc tu descends le câble, là. Et lui, il y a l'électricien qui a l'air de tout organiser. Lui, bah, lui doit être habilité B2. B2, V. Ah ouais, il travaille à moins de 30 cm des parties actives. Bon, là, vous avez compris. Ben, enfin, on pourrait peut-être reprendre un peu parce que c'est pas toujours très clair, quand même. Si vous voulez, vous savez, c'est très clair. Hein. Tout est dans le recueil. Hein ? Ouais. Bon, on va quand même reprendre. Les différents niveaux d'habilitation sont donc les niveaux B0, non électricien, B1, électricien exécutant, B2, chargé de travaux, BC, chargé de consignation, BR, chargé d'intervention. Seuls les BR et BC peuvent effectuer des opérations de consignation, mais le BR de façon locale et pour lui-même seulement.
si ces techniciens doivent travailler au voisinage d'installations sous tension, ils sont habilités V voisinage, soit B0V, B1V, B2V. Si l'intervenant n'a aucune habilitation électrique, il doit être accompagné d'un surveillant. Eh monsieur, c'est vous qui allez nous donner ces habilitations ? Ah non. Regardez. Je vous propose pour le poste que vous avez. C'est l'employeur ou son représentant qui délivre l'habilitation à son personnel. C'est la reconnaissance de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. Vous signez votre habilitation ? Merci, madame. Le travailleur s'engage à respecter les prescriptions de sécurité et à signaler les équipements défectueux. Il est donc normal que ce soit l'employeur qui est responsable devant la loi, qui décide de l'habilitation. D'abord parce que chaque entreprise a ses propres spécificités techniques, bien sûr, et puis que chaque technicien a ses propres fonctions dans l'entreprise. Ah ouais, moi je serais B2. Et moi BC. Je gagnerais plus que toi. Oui, oui, ben calmez-vous, on n'en est encore pas là, hein. Ça ne joue théoriquement pas sur le salaire. Il faudrait d'abord voir si vous savez réagir face à une situation et puis si vous avez acquis dans votre milieu scolaire une petite expérience, hein, un certain sens de responsabilité. Ce sera le propos du prochain épisode et ce sera à vous de jouer. On verra si vous êtes désormais capable de devenir de bons professionnels avec une expérience et une capacité d'analyse qui soit sûre. B0, B1, B2, ouais, c'est moi là, BC, BR. Michel et Patrick semblent avoir compris le principe des habilitations et des règles de sécurité et de consignation. Et vous ? Êtes-vous de futurs bons professionnels ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Bon, maintenant, vous allez jouer avec nous. On va peut-être faire des erreurs pendant les 4 exemples qui vont suivre. À vous de les trouver. Après chaque scène, vous arrêtez le défilement de la cassette, le temps de réfléchir et de donner vos réponses. Vous êtes prêts ? Alors, à votre avis, c'est sous tension ? Bah, et puis j'ai mes gants, mon matériel isolé, mes lunettes. Allez, on y va ? Et pourtant, Michel n'a pas respecté toutes les règles de protection individuelle. En quoi ? La chaînette en argent, hyper conductrice, pouvait amener le courant jusqu'à Michel et l'électrocuter gravement. Bon, là, il nous faut un voltmètre. J'y vais. Ok. Pour le temps qu'elle revienne, je vais consigner la machine. Facile. Et voilà le travail. Maintenant, on peut travailler sans danger sur la machine. Oh non. Patrick a oublié plusieurs éléments indispensables dans la procédure de consignation. Lesquels ? Et voilà le travail. Maintenant, on peut travailler sans danger sur la machine. Patrick a oublié le cadenas qui empêche toute personne de remettre l'équipement sous tension. Il a aussi oublié de faire l'identification et la VAT. Voilà. Alors, j'identifie le circuit. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je fais la VAT. Je vais y arriver. Et voilà. Ça marche. C'est coupé normalement. Je revérifie et c'est bon.
Alors moi j'ai rien oublié. C'est parti. Michel ferait bien de se méfier. Il a fait une erreur. Laquelle ? Michel a lu trop vite le dossier technique et n'a pas vu qu'il y avait un onduleur. Celui-ci n'est pas consigné et peut donc envoyer du courant dans le circuit sur lequel travaille Michel. Bonjour. Alors, j'ai l'attestation de consignation. Voilà. Non, cette fois-ci, il est inutile de chercher une erreur. À tout à l'heure. En revanche, qui de Michel, Karine et Patrick est B1, B2 et BC? Alors. Voilà, le plan, le disjoncteur, l'autorisation de travail. C'est ce que tu as à faire. Ok. Alors, qui est B1, B2 et BC ? Bonjour. Bonjour. Michel est BC, le alors, technicien habilité pour réaliser la consignation. Voilà. Alors. Karine est B2. Le disjoncteur, l'autorisation de travail, c'est ce que tu as à faire. Et Patrick est B1. Alors, vous avez trouvé toutes les erreurs ? Vous avez tout juste. Au cours de votre scolarité, vous avez acquis toutes les bases pour devenir des électriciens professionnels avertis. Vous saurez maintenant appliquer toutes les procédures de sécurité pour vous et pour les autres, bien sûr. N'oubliez pas que la sécurité est la composante essentielle de votre compétence professionnelle.